Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais d'abord, notre partenaire du jour, Nicolas Vidal, que vous avez déjà entendu pour la table ronde. re-bonjour Nicolas. Re-bonjour en pleine forme. Oui, temps des ça retraites, vous a... ça, me, ça me motive, moi j'adore ça. ça moi, vous ça a, a réveillé. Ouais. Fondateur de Putsch Media, nous le savons déjà. Peut-être un article à mettre en avant ou à nous présenter, une vidéo ouais. sur Putsch Media Allez voir effectivement la une de Putsch Media après l'émission, bien entendu. Vous aurez notamment les déclarations absolument farfelues et incroyables de Mamie Vapote, la bien nommée Elisabeth Borne, sur la réforme des retraites, où elle raconte absolument n'importe quoi chez France Inter Zozo. Voilà, ces vidéos qui sont à voir. <laughs> Allez tout de suite on se tourne vers notre invité du jour, Pierre Chaillot. Vue de haut. Bonjour Pierre Chaillot. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On a l'habitude de vous avoir, d'habitude par écran interposé, donc on est très heureux de vous avoir en studio avec nous. Vous êtes analyste et statisticien, créateur de cette chaîne décodé l'écho qui a explosé pendant la période de, du Covid, et puis auteur de ce livre euh, fondamental, je pense. Pour tous nos auditeurs qui cherchent à mieux comprendre ce qui s'est passé pendant cette crise de la Covid-19, qui s'intitule Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels mortalité, tests, vaccins, hôpitaux. La vérité émerge, c'est un livre aux éditions L'Artilleur. Alors, oui, qu'est-ce que vous avez fait En fait, vous avez fait l'inverse de ce que dit Olivier Véran qui dit « on peut discuter de tout sauf des chiffres », vous, vous discutez surtout des chiffres, puisque vous dites qu'on peut les interpréter n'importe comment, qu'ils ont été utilisés n'importe comment. D'abord, on n'a pas eu tous les chiffres, on va y revenir, euh, mais en plus que les chiffres qu'on qu on avait ont été exploités n'importe comment. C'est le début de votre réflexion de statisticien, parce qu'au départ, vous c'était absolument pas à votre sujet, il faut le dire, hein. euh, l'épidémiologie, etc. Vous êtes plutôt porté sur des, 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 des sujets économiques, Pierre Chaillot. Oui, c'est ce que je dis dans, dans le livre. On oui. doit discuter de, de tout et surtout des chiffres. Et en effet, alors ils n'ont pas forcément été exploités n'importe comment ces chiffres. Ils ont été exploités pour raconter euh, une histoire, en fait, c'est-à-dire pour appuyer un discours. Et donc l'objectif de ce livre, c'est de reprendre les chiffres dans leur ensemble, d'expliquer comment ils sont construits, pour remettre les choses à plat et pour dire ce qu'on peut vraiment dire à partir des chiffres officiels et ne pas les triturer ou les exploiter ou n'en montrer qu'une seule partie de façon à appuyer un discours politique. Alors, si on reprend un peu dans le sens de la chronologie, il y a énormément de choses fondamentales dans ce livre, donc on va essayer de prendre les, les, les choses clairement dans leur chronologie, mais vraiment, vous faites des révélations très très fortes. Donc, chers auditeurs, restez accrochés. Euh, D'abord... Euh, la première chose qui vous a étonné, c'est tout simplement les données euh, de la mortalité, euh, les, les premières données, en fait, les premiers chiffres qui tombent. Euh, là, finalement, vous-même, vous, 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 vous n'y connaissez pas grand-chose, mais vous voyez les chiffres, vous les comparez avec euh, ceux des années précédentes, mais en prenant en compte le fameux effet moisson, le fameux effet euh, du euh, vieillissement de la population, je ne sais plus comment, je crois qu'il a un an, mais bon, vous allez nous expliquer ça. Et finalement, déjà, rien qu'à ce moment-là, vous comprenez, et c'est là aussi que vous, ça vous fait... Euh, Tilter, vous commencez à analyser ces chiffres, vous comprenez qu'il y a un mensonge. Oui, alors je ne parle pas de zéro en démographie. <laughs> J'ai oui. fait, fait une école, où on a été formé et en effet, on. on... On, on, on utilise les chiffres et on sait très bien que les chiffres, il faut les comparer par rapport à du temps long, les remettre dans leur contexte et quand on parle de mortalité, il faut regarder bon, d'une part la taille de la population, hein. donc, plus il y a de monde dans mmh. une population et plus il y a de décès, c'est quand même un peu mé mécanique et la deuxième chose, c'est l'âge de la population, donc on ne compare jamais des choux et des carottes et pour savoir s'il y a plus de morts que d'habitude, on regarde à, à population et âge égal, ce qui mmh. n'a jamais été fait depuis le début et en effet depuis le début de, de, de cette histoire je le mets dans le livre on, ils ont commencé par faire peur très très tôt à partir des données à, euh, de Chine où ils parlaient de 2000 morts sur un mois, sur un mois euh, ouais, en Chine bon, bon, voilà dans, sur les dans, chiffres, dans ouais. un état d'un milliard et demi d'habitants oui. euh, sachant que 2000 morts c'est tous ouais. les jours en France dans un état de 67 millions donc il y avait il se passait absolument rien euh, à cette époque là et donc mais voilà en utilisant un chiffre de 2000 morts qui pouvait faire très peur à des gens qui n'y connaissaient rien voilà on, on pouvait lancer une, une panique et c'est bien ce qui a été fait c'est ensuite tout ce qui s'est passé sur les morts avec voilà euh, en France après le, euh, Jérôme Salomon qui annonçait un nombre de oui. morts tous les jours à la télé euh, voilà 100 morts aujourd'hui 300 morts ce qui n'avait encore une fois aucun sens puisque encore une fois moins de 3000 morts par jour c'est qu'il se passe pas grand chose de plus que d'habitude mmh. Oui, c'est intéressant effectivement parce qu'on nous a asséné de chiffres et, et, et vous dites qu'il y avait quand même une volonté de gouvernance de la peur. Et finalement, vous dites aussi que euh, les, les décès d'autres pathologies ont disparu au début <laughs> totalement. Donc il y a des gens qui sont morts que du Covid et que finalement vous avez. C'est intéressant de, de le voir. Prêts. Et donc ça, est-ce que ça a été euh, bien, bien entendu masqué, maquillé, fait exprès ou est-ce que vraiment il y a eu des gens qui ne sont plus morts de rien ne... à, part, à part du Covid, bien entendu. Oui, il y a une qui vient de sortir une étude sur la mortalité mmh. 2020 et leur titre c'est euh, le Covid troisième cause de mortalité et toutes les autres causes euh, ont diminué. Mmh. Bon ben bah, voilà, il bah, faut se poser des questions. Mmh. Donc <laughs> voilà, la, la, la cause de mortalité c'est une codification, elle n'est pas propre et si on dit à tous les, à tous les médecins qui enregistrent les décès c'est une épidémie de Covid, tout le monde meurt du Covid, bah, ils écrivent Covid sur le certificat de décès, c'est aussi bête que ça. Oui, vous donc... rappelez d'ailleurs les incitations financières également hein, et euh, pour les consultations, donc euh, quand vous mettez le code Covid, euh, vous êtes remboursé, enfin euh, le, le le médecin également peut faire facturer plus de façon plus importante le, la tarification, enfin le, la consultation, et puis euh, surtout à l'hôpital. Oui, oui, tout à fait. Mais euh, ça, c'est vieux, euh, vieux depuis l'introduction de la, la tarification à l'acte. Hein. C'est mmh. quand, quand on a un patient qui arrive à l'hôpital et si on lui fait tout un tas de tests pour dire qu'il a une maladie infectieuse, bah, l'hôpital est beaucoup mieux remboursé. Donc il y a un vrai intérêt pour les hôpitaux à déclarer des maladies infectieuses mmh. sur tous les patients mmh. qui arrivent, même ceux qui viennent pour un traitement de cancer, etc. Donc mmh. ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Euh, et Sauf puis, que là, bah, entre autres, euh, en l'espèce, pour, pour le Covid-19, ça a gonflé ces chiffres-là Bien sûr, puisque y a, pour la première fois de l'histoire, il y a un code d'urgence qui a été mis en place par l'OMS à partir de janvier 2020. 2020 et qu'on a fait passer la consigne à tous les hôpitaux de dire voilà vous avez des patients qui tous qui arrivent à l'hôpital comme d'habitude ben voilà c'est covid parce qu'il y, y a une maladie très grave qui circule et qui va contaminer tout le monde donc vous êtes certain que si c'est un patient qui arrive vous l'enregistrez en covid et même si vous n'en savez rien qu'il n'y a pas de test ou pas de ou qui rien, voilà. Vous vous mettez Covid, vous mettez même le code Covid sur, comme j'explique, c'est la consigne. Donc de toute façon, voilà, on a poussé. En fait, cette histoire de comptage Covid, c'est un comptage bureaucratique. C'est bien le principe que j'essaie d'expliquer sur ma chaîne, sur absolument tous les sujets. L'économie en fait partie. Il faut comprendre d'où vient le comptage et c est, c est, cette mise, cette mise en place du comptage Covid 19, ce sont des règles bureaucratiques qui ont été mises en place, qui se sont mis à faire que tout le monde compte du Covid 19 dans tous les sens. Mmh. Ce qui fait que si on n'analyse pas les chiffres. On se fait berner par des statistiques qui remontent, qui ont l'air exceptionnelles, mais qui sont que la résultante du début du comptage. Ouais, mmh. Et vous parlez également euh, du problème des tests. Le fait qu'en fait, en tout dépend de la politique euh, du, du gouvernement, mais si un, un gouvernement dit tout le monde doit se tester euh, avant des réunions familiales, bah, tout le monde va se tester, donc il y aura beaucoup plus de tests positifs. Donc en fait, c'est juste la, 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 la parole du gouvernement qui va faire que, de fait, on, on fait monter des chiffres Covid également euh, de cette façon-là. J'étais plus loin, puisqu'ils ont mis en place le pass sanitaire en juillet 2021, oui. <laughs> où ils ont dit à tout le monde soit vous, vous allez vous faire piquer tout de suite, soit vous, vous êtes obligé de vous tester tout le temps. Ce qui fait qu'on a eu une, une épidémie, enfin, mm. une explosion. Poser un nombre de tests test positifs de... en ouais. plein mois de juillet. Ouais, vous parlez d'une épidémie de rhume, d'ailleurs, Pierre Chaillot. Ils sont <laughs> arrivés à faire une épidémie de rhume. Bon, ben là, on n'en attendait pas moins avec Olivier la science, mais euh, concrètement, c'est intéressant parce que finalement, comme dit Clément très justement, euh, on se rend bien compte que si les chiffres ne sont pas mis en exergue et pas décortiqués, Bien entendu, sur, sur, sur les médias mainstream, on, 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 a quand même, on peut avoir l'impression que c'est absolument cataclysmique et qu'on se retrouve face à une, un mur d'épidémie qui va nous envoyer tous au moins à l'hôpital, si ce n'est dans, 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 une, dans une tombe. Euh, et, et la question que je viens de vous poser, c'est ça qui m'intéresse, moi, en tant que lecteur, parce que euh, vous, on a tellement. Euh, on a tellement euh, beaucoup d'entre vous ont été traités de tous les noms, complotistes et sort. Finalement, vous, quel angle vous avez choisi et comment manipuler ces chiffres très rapidement Comment prendre les bons chiffres Bon, c'est votre boulot, mais. Il y a eu tellement de chiffres, de faux chiffres. Comment on fait, à un moment donné, pour trier tout ça et faire un livre comme celui-ci D'ailleurs, moi aussi, je vous encourage à le lire, chers amis. Mais euh, je n'ai même pas choisi. C'est-à-dire que la plupart des chiffres que je prends sont les mêmes que ceux du gouvernement. Ils oui. sont juste oui. mis en perspective mmh. par rapport au passé, par rapport à mmh. d'autres chiffres. Mmh. Je remets clairement les définitions et j'explique comment ils sont construits. Mmh. Donc en fait, j'utilise les mêmes chiffres qu'eux. Mmh. C'est pour ça qu'ils s'appellent ce que révèlent les chiffres officiels. Mmh. Ils oui. oui, oui. sont les mêmes. Il s'agit oui. juste de faire son travail de statisticien honnêtement, mmh. de oui. les remettre dans leur contexte, d'expliquer calmement ce qui se passe. Et un de pas un, un exemple concret que vous expliquez bien au début, c'est qu'au tout début, là, là, en fait, les, les, les chiffres de 2015 des morts 2020 ont été comparés à 2019, qui était une année particulièrement euh, peu, euh, peu mortelle. Mmh. Euh, et, et, et en fait, ça vous expliquait très bien que ça, ça n'aurait pas dû fonctionner comme ça. Et même euh, vous, vous êtes étonné par les institutions là. Oui, tout à fait. Je suis extrêmement surpris qu'il y ait eu un choix qui s'était fait de la part de tous les instituts qui sont censés étudier la démographie de fermer les yeux sur toutes les années du passé et de se comparer uniquement à l'année 2019 qui est l'année record de sous-mortalité de toute l'humanité. Enfin, oui. C'est quand même pas rien. Oui. Euh, et puis c'est le cas partout en Europe. Il y a eu un hiver extrêmement doux qui fait qu'il n'y a pas de mort l'hiver, il n'y a pas eu de canicule non plus, il y a eu un temps qui était extrêmement mmh. clément toute l'année. Et, et Donc peut-être voilà. qu'il y avait une bonne moisson avant, pardon parler comme ça. Mais... En l'occurrence, non. Ça faisait, euh, 2019, c'est la quatrième ou cinquième année. Sans moissons, donc au, au contraire, quand on est un institut qui se respecte, euh, quel que soit, voilà, quel, oui, quel que soit se dit, ce qu'on pense. Un rattrapage. Ben, voilà, on se dit, ben, voilà, ça fait quand même 4 ans qu'il n'y a pas eu de forte hausse de mortalité, comme on voit de manière cyclique. C'est ça qu'on appelle les moissons ans. Hein, pour les voilà, ça. Donc on s'attend à ce qu'au prochain événement un peu rude, ben, il voilà, y ait une hausse Canicule de mortalité. Ou gros épisodes de froid, par exemple. Exactement. voilà, Donc on, on doit s'y attendre et s'y préparer et pas faire semblant de dire que voilà, le, les taux de mortalité s'effondrent chaque année de plus en plus, jusqu'à arriver, comme j'explique, si on prolonge l'idée des des, des Statisticiens qui ont fait le travail de, de, de baisse de mortalité, on arrive à zéro, c'est-à-dire qu'on rend tous les humains immortels au bout d'un moment, ou voire même mmh. les ressuscites. Voilà, il y a des moments il faut lever le nez de sa copie, se regarder ce qui se passe avec un peu plus de hauteur. Et puis, euh, mais le problème qu'on a eu, c'est quand même il y a une telle pression médiatique et politique mmh. sur le fait qu'il fallait absolument dire aux gens qu'il y avait une épidémie mortelle pour les protéger, mmh. que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, de bonne foi, sont rentrés dans ce jeu-là, et que la seule manière d'y rentrer, c'était de ne choisir que certains chiffres à présenter de façon à rentrer dans, dans, dans ce discours parce qu'évidemment si on lève un peu le néostapopi qu'on est et qu'on fait le travail comme d'habitude ce que j'ai essayé de faire dans le livre mais on trouve qu'il ne s'est pas passé grand chose mmh. vous d'ailleurs vous racontez aussi la pression que vous avez pu vivre vous euh, au sein des institutions et puis d'autres collègues et puis la déception aussi tout au long de votre livre aussi on sent la déception euh, petit à petit vis-à-vis -vis des institutions d'abord vis-à-vis de vos collègues également oui, une surprise aussi, c'est assez surprenant de ne pas voir tout simplement les, les, bah, voilà, les, les méthodes habituelles, enfin, la déontologie qui s'applique habituellement s'appliquer pour cette fois-ci, parce que voilà, peut-être qu'on serait en contexte d'urgence et qu'il faudrait abandonner de la déontologie pour faire autre chose, c'est très surprenant. Et puis en effet, des, 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 des collègues, alors certains qui m'ont contacté, qui ont refait les calculs, heureusement, <laughs> et qui ont trouvé des résultats que moi, parce que de toute façon, voilà, les, les maths mmh. c'est méchant, hein, si on a les mêmes chiffres au départ et qu'on applique les mêmes formules, bon, on a les mêmes mmh. résultats. Euh, et puis maintenant, d'autres qui refusent absolument D'aller regarder, qui préfèrent rester dans, je sais pas moi, dans, 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 dans le moule actuel de façon à ne pas se faire ostraciser et d'absolument pas, pas les vérifier et de façon à continuer leur bonhomme de chemin. Ouais, ça, c'est un côté un peu décevant. Mmh. Effectivement, c'est ce que vous mettez en avant, c'est la falsification des chiffres, concrètement, et la mise en avant. Et, et, et on se rend compte que ça a été, ça a été assez terrible pour vous, mais euh, j'ai envie de. Euh, allez, je vais me mettre à la place d'Olivier Véran, qui était ancien ministre de la Santé. <laughs> C'est dur, hein. c'est compliqué, mais je vais essayer pendant 20 secondes. Euh, il s'est bien dit, quand même, Olivier Véran, et notamment McKinsey, qu'à un moment donné, il y a des gens comme vous qui allaient regarder, qui allaient calculer, qui allaient faire des projections, qui allaient même des, des données euh, comme c'est ce, euh, le résultat de ce livre-là. Ils se sont bien dit qu'à un moment donné, il y a des gens qui allaient sortir ouais. euh, les vrais chiffres au la fur et à mesure. Un an, éclatée. deux ans, trois ans, quatre ans après. Euh, bon, il y a eu la propagande médiatique, et ça, je vous le dis, il y a eu aussi, vous avez de la moutonnerie, et surtout vos collègues, peut-être certains, qui n'ont pas voulu s'affronter et se dire, je vais quand même pas passer pour un abrutis ou un complotiste peut-être éviter, mais... On comprend bien qu'à un moment donné, les gens comptent vous qui allaient, qui allaient regarder tout ça de plus près. Non. Oui, mais une fois que la, la crise est passée, les gens passent à autre chose. Donc mmh. de toute façon, mais ça s'est vu pour aussi H1N1, qui est finalement, mmh. oui. le rapport du Sénat, a mmh. révélé que c'était une vaste escroquerie. Oui, mais ça arrive mmh. trop oui. tard. Ça mmh. arrive trop tard. Oui. Et puis derrière, il n'y a aucune sanction qui est prise. Et puis on, mais on pas le voit passer. pour tous les scandales médicaux euh, sanitaires, en fait, hein. en ce moment, on en a des exemples. Mmh. Hein. Vous avez parlé du médiateur juste avant. Oui. oui, oui donc hein. euh, il va falloir des, des, des dizaines d'années. Euh, bon, il y a aussi euh, les, les procès contre justement les victimes du vaccin H1N1 qui mmh. que dont le résultat n'arrive que maintenant et que pour que les survivants se comptaient jusqu'au bout de la démarche donc ils sont très peu nombreux et donc en fait on évidemment tout ça prend des années ouais. il y a une négation euh, de la part de la totalité des, des autorités pendant tout ce temps là et il faut euh, un extrêmement de courage et de, de pugnacité pour réussir à faire entendre raison bien plus tard et seulement sur ce qui reste mmh. et puis bah, on a tenu suffisamment longtemps pour ne pas en prendre les, 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 les conclusions Oui et puis donc... on voit en justice finalement ça fait souvent des décisions à la euh, responsable mais pas coupable euh, oui, mais ça, c'est le principe de la justice française qui est que pour euh, obtenir réparation, il faut absolument prouver le préjudice qu'on a reçu. Mmh. Et d'un point de vue médical, évidemment, alors même si on vous pique quelque chose et que dans la foulée, vous avez quelque chose de, euh, qui vous arrive, euh, le, le, le fabricant peut toujours dire vous pouvez pas prouver que c'est moi. Oui, voilà. pas de lien de causalité. Pas de lien de causalité. Et donc, ils se défendent comme ça. Et la justice française est faite que, ben bah, voilà, on n'arrive pas à prouver de point de clin. De, on peut pas prouver de manière sûre et certaine les liens de causalité. On voit des traces statistiques. Sauf quand <laughs> vous faites justement, alors là, mmh. vous nous faites avancer mmh. de quelques cas ouais. sur le. Ouais. Mais c'est pas grave. On y va. Euh, L'étude, vous, vous, en fait, ce que vous dites depuis le début, ce qu'il faut faire, c'est analyser les morts toutes causes confondues selon le statut vaccinal. Ce serait la seule façon, finalement... Comment dire euh de euh... savoir s'il si, euh, y a une réponse positive à ce vaccin sur la santé en général. Tout oui, à fait. Voilà, mais sans aucun biais euh, pour, pour vérifier ça. Et ça, vous demandez ces chiffres depuis, euh, depuis bien longtemps et ils du vous sont refusés. Bien sûr qu'ils sont refusés. Il y a très peu d'États qui se sont lancés dans le fait de les diffuser. Il y a eu l'Écosse, notamment au tout début, mais quand ils ont découvert que les chiffres qu'ils publiaient, c'était plutôt en défaveur des vaccinés, ils les ont retirés immédiatement en disant qu'il y avait un problème de méthode. Il reste, euh, voilà, je, je montre l'exemple de, de l'Angleterre et du Pays de Galles qui diffusent des données aussi, qui ont commencé par montrer qu'il y avait un problème chez les vaccinés et puis donc, les fichiers là sont toujours en ligne et puis qui ont décidé qui ont dit ah non non on s'est trompé on va changer de méthode <laughs> de façon à, à montrer l'inverse mmh. on peut et donc là, dans le livre, je montre on a toujours les vieux fichiers et les nouveaux pour montrer qu'il s'est passé quelque chose ou bon, un changement de méthode qui n'explique pas mmh. euh, voilà donc il y a très très peu d'États qui se lancent dans cet exercice parce que ce que ça montre c'est plutôt une méfiance qu'on doit avoir sur ces sur ces injections là et donc voilà surtout sur surtout il faut pas le montrer mmh. et autre chose que vous montrez sur les effets de la vaccination euh, c'est cette augmentation alarmante, et ça c'est pareil, pour le coup, on ne l'a vraiment pas entendu ailleurs, euh, de, de la mortalité chez les jeunes adultes euh, pour l'année 2021. Euh, je crois que c'est les 15-44 ans. Euh, le, le, le nombre de décès est anormal. Et en fait, ce que j'ai ce fait, c'est que bon, alors je vais préciser que absolument tous mes programmes sont en ligne, euh, donc tout le monde peut les refaire tourner, tout revérifier. D'ailleurs, vous invitez les, les lecteurs, je crois que c'est la fin de votre introduction, à. Euh, à reprendre tous ces chiffres et à aller dans une discussion, une vraie discussion euh, scientifique euh, et épidémiologique euh, euh, sur ce sujet en disant mais de toute façon moi, je, je, suis, je, je suis là pour débattre, on est là pour débattre et pour euh, voir euh, si, si vous avez d'autres euh, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec pas mal de vos, finalement, des personnes qui ont participé à votre livre. Ce sont à l'origine des personnes qui sont venues de, sur vos vidéos faire des commentaires et vous dire, attendez, il y a, y a ça que vous ne prenez pas en compte. Et donc, vous avez, vous avez à chaque fois repris les chiffres, tout reparti de zéro pour euh, essayer de comprendre avec un nouveau... Euh, un euh, euh, nou euh, nouvel, enfin, ouais, nouvel angle, exactement. Oui, tout à fait. C'est bien ce que j'invite à faire des gens. donc voilà Tous mes programmes sont en ligne, ils sont vérifiables. La totalité des choix méthodologiques que je fais, on peut les discuter. Hein. On peut en faire d'autres d'ailleurs. Bon, J'en ai déjà testé plein, histoire de, de quand même vérifier ce que je disais, et comme tout est cohérent. Et donc là, sur un sujet de la mortalité, c'est euh, tout simplement voilà j'ai calculé euh, les périodes de surmortalité par âge dans tous les pays européens, en téléchargeant tous les chiffres. Et puis j'ai mis en place les, les doses de vaccins reçues. Et il se trouve qu'on voit des concordances assez alarmantes entre des hausses de mortalité et les campagnes vaccinales. Voilà, donc euh, évidemment, en statistique, je ne peux pas faire de causalité, on ne montre que des corrélations, mais là, ça mériterait quand même... Euh, et euh, donc sur alarmes. mortalité, entre euh, période vaccinale et, euh, et, euh, et mort, et décès, et, et d'autant plus pour les, les jeunes adultes, c'est bien ça Alors, on, on le voit pour toutes tout les tranches d'âge. Euh, oui. Sauf que pour les tranches d'âge les plus âgés, il y a des hausses de mortalité qui arrivent de manière cyclique, par exemple chaque hiver ou même pendant les canicules. Et donc, si les campagnes vaccinales ont lieu pendant ces périodes-là, bon, on a toujours le doute de savoir... C'est qu ce que j'allais vous dire. Et ouais. comment on fait pour savoir si c'est le vaccin ou si c'est euh, la maladie du Covid, par exemple ben, C'est là qu'interviennent les jeunes, puisque les, les jeunes sont moins soumis à des hausses cycliques de mortalité. Et donc, si on voit quelque chose chez les jeunes, euh, on se dit, bon, euh, là, on a une trace. Et quand on voit... Et puis, les jeunes et les vieux n'ont pas été euh, vaccinés en même temps... Donc quand on voit une trace chez les jeunes et une trace chez les plus âgés, à des moments différents, on se dit quand même, ça c'est un autre indice. Mmh. Et puis entre les pays, ce n'est pas au même moment non plus. Donc quand on voit qu'entre les pays, ça marche aussi et qu'on a des traces à des moments différents, on se dit quand même. on a quand Et à euh, chaque fois au moment de la vaccination. Voilà. Ça c'est quand même fondamental ce que vous vous révélez là. Oui, oui. Euh, du, coup, du coup, pareil, j'invite tout le monde à, à aller regarder, à se poser des questions et tout ce qui peuvent à faire retourner mes programmes. Mmh. Mais en attendant, mmh. on a quand même les indices de quelque chose de très important. Ben, Nicolas Vidal, je vous laisse lancer la question, et puis la réponse sera après le flash info. Ouais, je voudrais, voudrais qu'on parle euh, après le flash info du taux de personnes euh, vaccinées finalement. Alors, <laughs> ça c'est super intéressant et je voudrais que vous, vous nous éclairiez là-dessus sur. C'est pas le nombre de personnes vaccinées, c'est le taux de personnes vaccinées. C'est important. J'aimerais qu'on en parle après effectivement parce que là-dessus aussi il y a des chiffres qui pourraient paraître être un peu ahurissants. Allez. Euh, il est presque 9h sur ligne droite et c'est l'heure des informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite Très haut frérot il y a une place pour nos idées Vue de haut notre invité, Pierre Chaillot, analyste, statisticien, créateur de la chaîne Décoté Légo et surtout auteur de ce livre qui sort aujourd'hui même, c'est bien ça, hein, Pierre bien Chaillot. Ça. Euh, un livre que je vous invite, chers auditeurs, à vous procurer au plus vite, puisqu'il met tout au clair, finalement, c'est vraiment la vérité qui explose et qui, euh, j'espère, euh, sera mise devant les yeux de nos gouvernants, mais ça, on peut toujours euh, attendre encore. Donc, ce euh, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, les chiffres officiels, je le rappelle, Mortalité, test, vaccin, hôpitaux. Voilà donc la vérité qui émerge. Et c'est un livre aux éditions, les très bonnes éditions. L'artilleur. Nicolas Vidal est toujours avec mmh. nous, fondateur de Puccio Media. Je vous redonne la parole. Oui, ben, pendant que Macron et Véran vont se dorer la pilule en Espagne, nous, on va parler du taux <laughs> des personnes euh, oui. vaccinées. Est-ce qu'ils sont faux ou pas, Pierre Chaillot Parce que ça, c'est intéressant comme passage. Bah, je ne me suis pas que celui-là, mais celui-ci ouais. est intéressant. <laughs> oui, dans le livre, vous trouverez un certain nombre d'échanges, enfin, je ne sais pas vraiment des échanges, mais disons de rapports de, rapport de l'adresse dont je parle et sur lequel, après, on, on observe des réactions. Euh, du coup, des statisticiens du ministère de la Santé suite à, mm. euh, au fait, euh, aux révélations que je fais ou bien aux nouvelles analyses que je fais à partir de leurs travaux. Donc, c'est intéressant qu'ils réagissent et finalement qu'ils améliorent leurs travaux au fur et à mesure. <laughs> et notamment, sur, depuis, euh, depuis le début de cette histoire, j'explique de différentes manières sur différents euh, médias euh, que le, 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 les, taux de les taux de personnes vaccinées sont mal calculés. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Euh, ce que fait l'adresse, c'est qu'ils prennent des chiffres de sources différentes, ce qu'on ne fait jamais. C'est-à-dire que bon, bah, pour savoir combien il y a de non-vaccinés, en fait, on ne sait pas. Euh, tout ce qu'on peut savoir, c'est le nombre de personnes vaccinées, puisqu'ils sont enregistrés à chaque fois qu'ils se font mmh. vacciner et qu'ils rentrent dans une base qui s'appelle la base vaccine. Donc on a mmh. un nombre de personnes qui sont enregistrées dans la base vaccine en France. Mmh. Voilà. Le Donc par déduction, on ouais. pourrait euh, ah, oui. déduire les non-vaccinés Il bah, faudrait connaître la population qui est en face, puisque oui. vous connaissez le nombre de vaccinés, mais mmh. si vous voulez connaître les non-vaccinés, on connaît, connaît la le nombre de français. français oui. et bah, le nombre de français, ça se fait de manière statistique avec les de la population. Ouais. Donc vous avez d'abord une source qui est le nombre d'enregistrés dans une base et puis pour deviner le nombre de personnes qui y a en tout, c'est une base statistique, ça n'est pas la même chose. Mmh. Ouais. Et donc euh, ils utilisent deux sources différentes et ça pose problème puisque ces deux sources ont des qualités différentes et sont pas construites de la même manière. Ouais. Ce que je dis depuis le départ c'est qu'il faut utiliser la même source. Si ouais. vous prenez le nombre de personnes qui sont dans la base vaccine qui est une source de l'assurance maladie, pour se connaître le taux de vaccinés, il faut diviser par le nombre de personnes qui sont aussi enregistrées à l'assurance maladie, qui n'ont mmh. rien à voir avec la population française. Mmh. Euh, donc ce ce sont deux sources complètement différentes oui, et vrai. qui ont des résultats différents. Ça semble plus logique. Ça semble plus logique. Et voilà. Et donc, du coup, ils font leur taux de vaccination depuis le début en disant ça. Donc, le nombre de personnes vaccinées divisé par la population, au sens INSEE. Et donc, ce qui leur permet de dire 95% de vaccination, tout ça. Euh, ce que je dis qui est faux depuis le début, c'est normal, C'est pas de source. Et, f... et donc, ils ont fini par faire les travaux là en octobre dernier. Ça a un peu passé inaperçu. Où ils sont finis par dire, bon, allez, d'accord, on va faire l'exercice. On va regarder en prenant la même source au numérateur. Et, et au ils vous répondaient vraiment à vous non, ils ne me répondent pas à moi, <laughs> mais ils font l'exercice. Je <laughs> ne euh, suis peut-être pas le seul à avoir réclamé, mais c'est un ouais. exercice logique quand on est statisticien de se poser la question. Ouais. Donc ils font l'exercice, et puis bah, plutôt que de trouver 5% de non-vaccinés, ils trouvent sur 14%... En faisant l'exercice. Le, ça quand même ça un fait gros, quand même emmerder 14% problème. des Français hein, pour mmh. revenir sur emmerder les non-vaccinés. Mmh. Oui, et puis ils vont même plus loin parce qu'ils arrivent à dire que juste ensuite, après, si on mixe euh, voilà, ces sources-là et puis qu'on les mixe avec les, la base sur laquelle il y a les gens qui sont enregistrés un test positif ou un test négatif, on trouve qu'il y a jusqu'à 40% de non-vaccinés à l'intérieur. Euh, parce que les bases se parlent pas. Euh, donc voilà, selon quand on mixe les données, on peut arriver jusqu'à 40% de non-vaccinés. Et alors ça, c'est un problème d'avoir aucune idée du, de la part mmh. de non-vaccinés en France, puisque la soi-disant efficacité vaccinale calculée par le ministère de la Santé est calculée en différence entre le taux de vaccinés dans la population et le taux de vaccinés à l'hôpital pour Covid-19. Le discours étant... S'il y a plus de non-vaccinés à l'hôpital euh, pour Covid-19 que de non-vaccinés dans la population, mmh. c'est que le vaccin marche. Mais donc ce, qu ce que vient de prouver l'adresse le 31 octobre, c'est qu'ils sont incapables de calculer le taux de vaccine, de non vaccinés dans la population générale, qu'ils n'en ont aucune idée, et que selon les sources, c'est très différent. Et à partir du moment où ils n'ont aucune idée, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de faire le moindre calcul d'une quelconque efficacité vaccinale depuis le début. Donc tout est ouais. faux sur ce point de vue-là. Et <laughs> ça, ça, ça c'est dingue, parce que ça, c'est vraiment incroyable de ce, de, de, que vous disiez, vous, Pierre Chailleux, que finalement, le gouvernement, l'État français, même plus largement l'État français, est incapable de dire qui est... enfin, combien de non vaccinés en ce pays quoi c'est hallucinant si on mais ajoute si ça à ça les aussi les gens pas. qui ont mmh. voilà et si on ajoute aussi les gens qui ont fait euh, de faux passes et qui ont contourné à ah oui, la loi je crois, que, voilà, je crois même pas ça voilà ouais. parce que là je pense que c'est absolument de, de, de impossible oui. mais je veux dire on que ça pourrait quand même atteindre une part non négligeable de la population vraiment non négligeable oui euh, alors il y a une, une grosse bon, minorité c'est même c'est quand même aussi assez rassurant de dire que les gens ne mmh. sont pas fliqués au Moi... point de savoir <laughs> exactement dans oui, la population qui n'est pas vaccinée vous avez raison donc ça de ce point de vue là c'est assez rassurant et puis ensuite bon les statistiques c'est pas si que ça ouais. et les bases de données sont jamais parfaites et c'est assez compliqué à manipuler et c'est compliqué ensuite de les croiser avec d'autres pour savoir qui serait vacciné, non vacciné, aura un test positif, négatif, enregistré COVID-19 ou pas. Donc il n'y a rien de parfait là-dedans. Euh, ce sont normalement, c'est un travail statistique qui est, doit être assez minutieux et difficile à mettre en place. Et pour l'instant, l'adresse n'y arrive pas. Je ne leur jette pas la pierre sur le fait de ne pas y arriver parce que c'est difficile, mm. euh, c'est compliqué, c'est probablement impossible de mettre les bases au propre. En revanche, le, le, le reproche que je fais, c'est d'en tirer des conclusions qui ne peuvent pas être. Mm. Mais les, ces, ces conclusions répondent à une commande politique qui est on veut des réponses et dire que la vaccination est sur-efficace. Voilà, donnez-nous les, mm. les armes pour le faire. Donc, ils utilisent des bases qui ne se parlent pas, qui ne marchent qui ne pas. Du coup, ils font des choix méthodologiques qui qui les conforte dans le résultat et puis on est très parti. subjectif mmh. en fait. voilà mais ce, tout ça c'est affaire de, de choix malheureux et quand comme tout a été fait pour promouvoir certains résultats en disant qu'il fallait dire que la vaccination était sur-efficace, ben bah voilà on, on publie des études avec des chiffres qui fonctionnent pas mais qui confortent ça et ça on, on, on voit très bien à travers votre livre aussi le fait que finalement toutes ces agences euh, de, de statistiques, etc., se mettent aux ordres derrière euh, le, le mot d'ordre du gouvernement, c'est-à-dire celui de dire euh, il n'y a qu'une seule solution, c'est la vaccination et la vaccination fonctionne. C'est quand même euh, pas très rationnel. Oui, mais après il y a tellement de monde qui a cru et qui est rentré dedans que je suis pas sûr qu'il y ait besoin de beaucoup forcer ou même d'avoir une coercition forte de la part oui. du dessus. Les gens ils sont rentrés dessus dedans volontairement. Euh, parce qu'ils y croyaient aussi. Et puis, même, j'explique au début que moi, de toute mmh. façon, euh, j'y crois également avant d'aller regarder les chiffres. Donc, à partir du moment où on y croit et on a les chiffres sous les yeux et qu'on les interprète et que ça nous conforte parce que ça, ça nous arrange, ben bah voilà, on s'arrête là et on publie. Mmh. Oui, finalement, Pierre Chaillot, vous êtes un repenti <laughs> C'est un oui, peu ça. ça. <laughs> je plaisante bien entendu. Mais il y a plein de sujets. Euh, Clémence, il nous reste deux minutes. Je voulais poser une question. Non, alors on va, ouais. on va, si vous êtes d'accord et si ouais. tout le monde est d'accord, on va on va faire durer un peu plus. Cette Avec grand plaisir. C'est pour ça. <laughs> je vous laisse. Euh, non, alors moi, je voudrais juste sur ces, ces chiffres-là, mais en effet, il y a encore beaucoup d'autres sujets à aborder très très importants. Euh, juste sur cette histoire de, de non vaccinés euh, et qu'en fait, finalement, il y aurait sûrement plus de non vaccinés que, ceux, que le nombre affiché. Ça, ça ne fait que rendre plus inquiétant le nombre d'effets indésirables de la vaccination euh, qu'on qu peut voir et que vous avez notamment noté, et, et parlons même d'effets indésirables jusqu'à la mortalité oui, tout à fait. Du coup, on n'y voit absolument rien. La seule manière oui. de connaître le taux de non-vaccinés, ce serait d'avoir une enquête au hasard dans la population. On demanderait aux gens, un institut demanderait aux gens êtes-vous vacciné ou pas On pourrait même rajouter une question de manière anonyme est-ce que du coup vous avez eu un passe en règle mais sans recevoir d'injection Ce serait la seule manière de savoir. Pour l'instant, on n'a absolument aucune idée dans la population du nombre de personnes qui sont vaccinées. Mmh. Ouais. Ah Oui, c'est quand même incroyable parce que finalement, vous l'avez dit, euh, finalement ça a servi aussi, euh, bien entendu, à propos du gouvernement, et vous le dites, on met des chiffres au service d'une propagande, parce que c'est ça dont il est question aujourd'hui concrètement. Oui, euh, il y avait plein d'intérêts. Euh, il fallait aussi faire croire à la population que les non vaccinés étaient des personnes ultra minoritaires qu'il ne fallait surtout pas écouter. Donc, c'était très important de montrer des taux de vaccination qui étaient énormes de rentrer dans ce cours-là. Il fallait les invisibiliser le plus possible. C'est pour ça qu'il y a eu un pass de façon à ce que les non vaccinés ne rencontrent plus les vaccinés de façon à faire croire qu'ils n'existent plus. On a exclu les aussi les personnels de santé des hôpitaux, mais pas que, hein, ouais. pas que les personnels de santé, enfin toutes les personnes qui travaillent dans les milieux, euh, dans ouais. les, dans les milieux ouais. de santé, de façon à ce que, voilà, on ne les voit plus, ils sont bannis de la population et comme ça, ils, ils, ils n'ont plus d'existence. Distance, quoi. Alors toujours dans ce narratif qui concerne derrière les non vaccinés parce qu'à un moment donné on a dit si euh, si les hôpitaux euh, sont en saturation c'est à cause des non vaccinés euh, et en fait là aussi hein, vous reprenez les chiffres notamment de l'agence technique de l'information sur hospitalisation LATI et vous montrez que euh, cette, cette suroccupation des lits d'hôpitaux c'est encore une fois c'est du grand n'importe quoi oui, oui, il y a eu deux, enfin il y a deux résultats assez différents dans le livre. Il y a le premier qui dit, voilà, on nous a fait croire que les hôpitaux avaient été saturés pendant toute l'année 2020 à cause du Covid. Et puis quand je sort le rapport de la TIH, moi je tourne ma chaise, hein, j'étais persuadé que c'était vrai quand même. <laughs> et qu'il y, euh, y avait bien une saturation hospitalière, ce qui est entièrement faux. Il euh, y a eu des endroits qui ont été saturés, mais bon, je vais envie de dire de ça. Le non, grand test est à Paris, en gros. Mais déjà, c'est tout le temps le cas. Il oui. euh, y a tout le temps des endroits qui sont saturés, mais en plus, dès le début de la dite pandémie, il y a le plan Orsandreib qui est mis en place, sur lequel on dit qu'il n'y a que 38 hôpitaux qui sont habilités à recevoir du Covid-19. C'est l'hôpital de, de première ligne, s'appelle ça. Il y a 1500 établissements hospitaliers en France. Hein. Donc si vous concentrez tous les malades de toutes les maladies respiratoires sur 38 hôpitaux, bah, vous avez des problèmes. Déjà. <laughs> oui. euh, donc c'est ça qui est, est juste. C'est ça qui s'est passé. Donc si vous prenez des témoignages de gens qui étaient dans ces hôpitaux-là, ils disent on a vu énormément de monde, d'accord, mais prenez des gens qui sont dans d'autres hôpitaux, qui à ce moment-là a été fermés, où ils n'ont vu personne. Ah non, on les a reçus, mmh. nous, ces soignants là mmh. qui nous ont dit non, mais nous, on a des, on a des, des couloirs vides. Oui, bien sûr. Donc, il y, y, y a eu les deux aspects. Donc, voilà. Et à, à la fin de l'année, on apprend, enfin, non, plus d'un an après, on apprend qu'en fait, non, le Covid-19 pendant l'année 2020, c'est 2% d'exercices hospitaliers, qui ne absolument rien. 2% passé. des lits d'hôpitaux, le Covid. Voilà, c'est ça. Mais, je détaille absolument tous les chiffres de ce ouais. rapport, tellement ils sont hallucinants. Il dans dans, y a tout un chapitre du livre. Et puis, en effet, il eu, c'était fin de l'année 2021 où il y a eu toute une pression médiatique en disant ce sont les, les non vaccinés qui saturent les hôpitaux en disant que 9 personnes sur 10 Covid-19 sont des non vaccinés. Ce qui était entièrement faux, le rapport de l'adresse la, de qui disait, c'est que, voilà, il y avait une, une surprésentation de, des, des non-vaccinés dans les hôpitaux, mais en fait c'était 50-50 entre vaccines non-vaccinés dans leur base. Donc c'était voilà. Donc, de toute façon, les chiffres portés par les par les médias étaient faux parce qu'ils avaient mal compris le, le rapport exprès de, fait, mal compris je ne sais ouais, pas. Ouais. Et ils invitaient des gens sur les plateaux de télévision à dire oui il y en a bien deux sur dix euh, dans, 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 dans mes services qui sont des non vaccinés tout ça c'était entièrement faux. Et finalement la part des non vaccinés euh, euh, mis dans les services Covid 19 à cette époque là était extrêmement ridicule en France à ce moment là. Donc il n'y avait absolument aucune saturation possible sur des non vaccinés Covid 19 à ce moment là. Donc tout ça c'était encore un exercice de communication qui avait pour but de justifier la vaccination et de pousser les gens à y aller c'est tout Mmh. Oui, mais c'est vraiment dingue ce livre-là, effectivement. On espère qu'il aura de l'ampleur et qu'il passera autre part que chez nous, bien entendu. Mais euh, on se rend compte que sur tous les plans euh, de cette crise Covid, qui, quand même, a été extrêmement autoritaire dans sa politique sanitaire menée, euh, même sur les hôpitaux, on se rappelle euh, des gens qui ont été, euh, qui ont été transférés d'un hôpital à l'autre. On avait BFM TV euh, qui euh, nous filmait des brancards avec des gens dans les. les... C'était incroyable. Donc, finalement, tout ça, vous nous dites, euh, Pierre Chaillot, que la proportion, effectivement, de le covider dans les hôpitaux sur un nombre d'hôpitaux très limité, euh, finalement, n'était absolument pas du tout vrai que tout ça a été monté, monté, en, monté en chantilly, monté en crème, j'ai envie de dire. Mais c'est les résultats. c'est euh... un mensonge d'État, en fait. C'est un véritable mensonge d'État. Oui, mais presque comme je le dis, c'est la résultante de choix bureaucratiques qui ont été faits, euh, qui étaient de limiter le nombre d'hôpitaux qui étaient censés en accueillir, et puis de mettre le focus là-dessus, puis ensuite de se plaindre que cela était saturé parce qu'ils recevaient euh, toutes les personnes de France et de Navarre qui étaient cataloguées au COVID-19. Puis, comme je le dis, bah, comme façon à cette époque-là, tout le monde qui avait euh, des problèmes respiratoires était catalogu catalogué au COVID-19 partout en France. Bah, on balançait toutes ces personnes-là euh, dans des endroits où on, a, où on avait mis tout le monde, et ce qui suffit à, à créer une, une saturation de manière complètement artificielle. Il me semble que je le mets dans le livre il y a trois millions et demi de personnes qui en permanence sont comme étant, euh, ayant des problèmes respiratoires en France, ça vous fait un sacré réservoir de personnes sur qui on peut mettre l'étiquette Covid mmh. à tout moment quoi. Mmh. Mmh. donc voilà, il voilà. y, y a un réservoir de personnes, on met en place des, des lois des mesures qui ont certains impacts <laughs> qui se voient tout de suite et puis ensuite mmh. bah, ces impacts là sont médiatisés comme étant les résultantes d'une grande pandémie qui arrive mmh. Alors dans les chiffres absolument fondamentaux que vous donnez et qu'on n'avait pas vu ailleurs franchement enfin il y a un, un élément qu'on avait déjà, dont on avait un peu entendu parler mais là vraiment c'est très très fort ce que vous nous dites. D'abord, euh, la chute des antibiotiques. Euh, donc la, là, j'aimerais bien que vous nous expliquiez d'abord en premier point. Puis ensuite, l'explosion de boîtes, notamment de Rivotril, et surtout de nous expliquer ce que c'est que le Rivotril oui. et pourquoi il a été utilisé à mauvaise escient. Oui. Mais d'abord sur les antibiotiques. Alors les deux viennent de la même source en fait, tout le monde peut télécharger, il y a l'assurance maladie qui met en ligne les boîtes de médicaments qui ont été vendues euh, mois par mois par les pharmacies de ville. Donc voilà, tout le monde peut télécharger ça et puis regarder les évolutions au cours du temps, c'est très intéressant, on apprend des choses. Donc ce que j'ai fait pour différents médicaments. Ce qui se passe euh, au mois de février euh, euh, 2020, c'est qu'on dit il y a une énorme grande pandémie qui va arriver en France, il va y avoir des malades, ça va se contaminer, tout ça. Alors surtout les médecins, vous n'intervenez pas. Euh, voilà, vous avez interdiction de prescrire, vous ne voyez pas les malades qui toussent et qui vous appellent, euh, vous les laissez chez eux, vous leur dites de prendre un Doliprane, le fameux 4D, la mmh. dodo Doliprane <laughs> d'essai, euh, et puis euh, do de dodo Doliprane d'essai, pardon, euh, et puis ensuite, voilà, une fois qu'ils ne peuvent plus respirer, ils appellent le 15 et puis ils vont à l'hôpital. Mmh. Voilà, ce qui est évidemment euh, sans, sans, voilà, le, le bon Déjà, sens. ce qui est inouï. Nous, est, voilà, euh, est aucun censé aucun nous traitement et attendez que vous êtes, soyez vraiment mourant pour aller à l'hôpital ou pour aller vous faire soigner, pardon. Oui, d'ailleurs, on peut lire dans le rapport port concernant l'escroquerie H1N1, que justement, s'il si, ah, si c'est rien passé, c'est aussi parce que les médecins, à cette époque-là, ont fait comme d'habitude. Ils ont reçu leurs patients et leur donné leur même gradule que d'habitude, quelle qu'elle soit. Euh, et puis finalement, ça s'est bien passé. Ils n'ont pas compté de mort. Donc là, ce n'est pas ce qui se passe. Vous avez interdiction. On va balancer tout ça à l'hôpital. Balancer tout le monde à l'hôpital, ça permet de mettre une codification COVID-19 à tout le monde aussi. C'est mmh. important, le jeu de la COVID. Et de faire, de faire une saturation. De faire une saturation dans certains endroits qui seront, qui seront médiatisés. Euh, mais voilà, donc ce qu'on observe évidemment, c'est que les gens n'allant plus du tout chez le médecin, bah, ça, se, ça se mesure aussi par la prescription des médicaments et des fameux antibiotiques. Donc il y a un effondrement d'utilisation des antibiotiques à cette époque-là, du fait que tout simplement les gens ne consultent plus et donc ils ne vont pas voir les, leur médecin. Donc ils ne sont pas tous. soignés. Justement. Voilà, bah, en tout cas, ils ne sont pas traités par les médecins comme d'habitude. Ça c'est oui. très clair, ça se voit sur les ventes de médicaments. Et donc dans les chiffres, là moi j'ai chute de 40% d'antibiotiques mmh. en avril, enfin ce sont vos chiffres, c et chiffre 40... oui, oui, voilà, que je, que je chez vous, et 47%. <laughs> Euh, au mois de mai 2020. oui, c'est ça. donc, de il ouais, n'y a, a tout simplement plus de consultations et plus de, plus de soins habituels mmh. comme c'est fait euh, sur, sur la période. c'est vraiment c'est ça, ça qu'on mesure explicitement. Mmh. alors et si on va euh, après je ouais. sais qu'il y a encore un autre médicament mmh. que vous euh, ah parler Nicolas Vidal mais d'abord le Rivotril c'est vraiment alors ça c'est gravissime mmh. et pareil on en a que très peu parlé donc euh, pour le coup la explosion des boîtes de Rivotril euh, d'après euh, ce que vous nous dites donc plus 59 au mois de mars euh, et plus euh, j'ai noté quoi 2 <laughs> de... non j'arrive pas 127 peut-être bien euh, Oui 127 exactement mmh. euh, au mois d'avril euh, alors, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un, ce que c'est que le Rivotril, dans quelles conditions il a été euh, euh, prescrit et en quoi c'est scandaleux. Le Rivotril, c'est un calmant anti euh, voilà qui est donné aux personnes en situation d'épilepsie pour globalement les endormir. Hein, c mm. Ça, c'est un calmant assez lourd. Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu une, un, un décret qui a été posé disant que en, en, en mesure d'urgence, on, on allait pouvoir aux personnes qui étaient. Euh, euh, soupçonnés euh, d'avoir le Covid-19 et euh, déc décrétés en fin de vie, euh, les accompagner euh, vers le décès sous forme de calmant ce qui est fait avec d'autres produits d'habitude. Et en l'occurrence, ce Rivotril, ce décret Rivotril, il arrive euh, parce qu'il y a une pénurie mondiale de midazolam à ce moment-là. Mmh. Voilà. Il se trouve que dans beaucoup de pays dans le monde, on fait exactement le même choix thérapeutique au même moment, peut-être bien conseillé par les mêmes personnes, qui était de dire, voilà, Covid 19, c'est une maladie incurable euh, qui touche des gens en fin de vie, donc euh, qu'il faut accompagner doucement euh, vers le décès, et donc ne, ne pas les traiter. Euh, et donc, euh, plus, comme il y a, y a une pénurie de l'autre calmant, on va faire une loi express qui dit qu'on a le droit d'utiliser autre chose et qui a été bah, le clonazepam, je crois, selon mm. la molécule, le rivotril. Ce qui fait une exception française assez intéressante du fait que bah, comme ce n'est pas le même calmant que celui utilisé habituellement euh, pour accompagner la fin de vie, bah, en fait on peut le compter beaucoup plus facilement puisqu'on voit vraiment une explosion des ventes. Et une explosion des ventes en pharmacie. Donc c'est ça qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où il euh, y a le gouvernement qui met la pression en disant aux médecins... Euh, qui accompagne notamment les, les gens en fin de vie. Il y a euh, une maladie gravissime qui arrive, qui est ultra contagieuse sur des personnes et qu'on ne peut pas soigner sur des personnes en fin de vie. Donc, là, ce, ce que vous devez faire, euh, c'est euh, accompagner leur fin de vie et les calmer euh, de façon voilà, à ce qu'ils soient tranquilles jusqu'au bout. Ah, alors, je précise quand même, euh, je fais une petite parenthèse hein, dans votre récit, que le rivotril est un, donc, un médicament -il est petit, donc, qui n'a rien à voir avec les infections respiratoires normalement. Là, il a, on, il, a, il, a, il a donc été détourné et que dans la notice du Vidal, les contraindications qui sont mentionnées, ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants insuffisance respiratoire grave. Oui, mais c'est le cas de tous les calmants finalement, de toute façon. Donc quoi qu'il arrive, quand on a une personne en situation d'insuffisance respiratoire grave et qu'on décide de la passer sous calmant palliatif, ouais. bah, de toute façon, son espérance de vie devient tout de suite extrêmement limitée. Ouais. Euh, voilà, on appelle surtout pas. Mais donc c'est à... conscient, on sait que euh, là, on, 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 on va. Euh, le... On va tuer en fait un certain nombre de ouais. personnes qui ont été euh, euh, médicamentées avec le Rivotril. Oh il faut faire très attention au vocabulaire euh, qu'on ouais. utilise, sinon on fait se lever les boucliers. Mais en effet, vous trouvez même des bah témoignages euh... de médecins qui disent « oui, on sait qu'on accélère un peu la fin de vie hum. ». Voilà. Bon. <laughs> on, peut, on peut interpréter ça comme on veut, mais c'est bien ce qui est en train de se passer. Et ce qu'il considère c'est que ce sont des personnes en fin de vie, de toute façon, qui ont quelque chose qui est incurable sur le moment, et donc euh, qu'il faut accompagner. Mmh. Et donc, ce que je montre, euh, c'est que si on, on étudie la, la hausse des ventes de ce médicament-là, euh, et qu'on voilà, on fait un petit ratio en se disant qu'il faut à peu près deux gélules de, de rivotril en intraveineuse pour euh, accompagné vers le décès une personne, eh bien on explique totalement le, le nombre de décès dans les EHPAD sur la période. Donc, ils sont, on a un peu trop bien accompagné. Voilà. Un peu trop vite accompagné. Enfin, voilà. on, on trouve des chiffres assez hallucinants hein, sur le fait que quasiment tous les décès dans les EHPAD sur les périodes sont tous étiquetés euh, Covid sur le moment, sachant qu'il Ils y a, ont y a... tous été avec Rivotril. Et que, voilà, disons que si on étiquetait Covid un patient dans un EHPAD, on, on pouvait le, le rentrer dans le protocole Rivotril. Voilà. Donc c'est ça qui est en train de se passer et c'est probablement ça qu'on est en train de compter. Euh, D'ailleurs, ce que je montre après, c'est qu'une fois passé cette période-là où on a en effet une bosse de décès, on a un, un effondrement des décès. Euh, donc tout se passe comme si on est en train de travailler sur des personnes qui avaient une espérance de vie de trois semaines et dont on a juste regroupé les décès tous aux mêmes dates pendant la durée du décret. Donc voilà, donc, euh, cette fameuse bosse de mortalité qui est présentée comme euh, l'hécatombe Covid sur le moment, euh, si on regarde, euh, si juste on, on prend le regard par rapport aux lois qui ont été mises en place, donc encore une fois, c'est quelque chose de bureaucratique mmh. qui a été décidé sur le moment de considérer ces personnes comme en situation de fin de vie, quoi qu'il arrivait qu'il fallait les accompagner en, avec un médicament qui de toute façon allait accélérer. Euh, euh, leur décès prochain, bah voilà, on explique totalement la surmortalité sur la période et ça explique pourquoi après il y a moins de décès aussi, c'est du fait qu'ils bah voilà, sont, ils sont décédés avec un peu d'avance. Et là, ouais. vous, pardon, je vais juste citer ouais. avant de vous donner la parole Nicolas Vidal à ce sujet. Donc il y a une session extraordinaire de l'Assemblée nationale avec des auditions à, à ce sujet et on vous citez la déclaration de monsieur Olivier Youinou euh, qui, dit, qui confirme qu'on euh, a appelé ça finalement un protocole palliatif Covid. Oui, voilà. c'est comme ça que ça a été appelé. Avec des... En effet, on a missionné les personnes qui travaillent en palliatif. D'ailleurs, tous n'ont pas accepté. Il y a eu certains témoignages de gens qui disaient qu'ils refusaient de faire ça. Mais voilà, de dire. En tout cas, le discours qui a été imposé par les autorités de santé, c'est de dire, encore une fois, maladie incurable sur des personnes âgées qu'on ne peut pas soigner et qui sont de toute façon en fin de vie, il faut les tranquilliser jusqu'au décès. Ouais, voilà. Soit palliatif. Et, et alors, il y a le rivotri, bien entendu, mais il y a aussi le Valium. J'avais envie d'en parler, vous me savez, impatient. Le, le valium c'est quoi On est dans le même euh, but thérapeutique que le ribotril, ou Oui, oui, ouais. oui pour ouais. C'est ce genre de molécules qui servent à calmer les gens. En effet, on voit aussi mmh. sur exactement la même période une explosion du valium. Donc voilà, je suppose que chacun a ses préférences sur mmh. les molécules à utiliser. Mmh. Euh, ouais. Mais en effet... Mmh. Veut... J'ai une question quand je vous écoute, Pierre Chaillot. Ça veut dire que les décès à Népad, est-ce que vous pouvez, vous, en... En tant que statisticien, euh, calculer grosso modo la part entre les gens en EHPAD qui sont morts du Covid du dix Covid et des gens en EHPAD qui sont morts notamment de cet accompagnement vers le décès avec du rivotril. Est-ce qu'on peut le savoir ou pas Ça ou est-ce que c'est trop trop compliqué non, On ne sait pas ce qu'ont qu reçu ouais. les différentes personnes. La ouais. seule chose que je montre, c'est que en plus, bon, là on parle des EHPAD puisque on n'a que les chiffres des ventes de rivotril en pharmacie. Mmh. La seule chose qu'on peut savoir, c'est qu'au moment où on enregistre des décès dans les EHPAD qui sont tous étiquetés Covid sur la période, eh ben on se retrouve avec, de manière proportionnée, le même nombre mmh. de surplus de ventes de boîtes de Rivotril par les pharmacies euh, au même moment. Euh, je précise dans les EHPAD et dans les pharmacies, parce qu'on ne sait absolument pas ce qui s'est passé dans les hôpitaux. Et dans les hôpitaux, mmh. il y avait exactement la même consigne, mais il n'y a aucun chiffre qui filtre pour savoir combien il y a de doses de rivotriles qui ont été distribuées par les hôpitaux sur la période, qu'on pourrait mettre en face sur les morts enregistrés Covid 19 euh, et euh, dans et les hôpitaux et sur la ces chiffres, sont... on peut les retrouver, ces chiffres-là, hors période Covid, bien entendu. Non, Il n'y a que les chiffres de médicaments distribués par les pharmacies qui sont disponibles okay. en permanence. Ok, d'accord. Alors, et je voudrais, euh, puisqu'on arrive bientôt à la fin de cette émission, qu'on arrive également à votre conclusion, enfin, c'est votre dernier, je sais pas si c'est vraiment votre conclusion, euh, sur la prise de pouvoir, euh, finalement, de la finance et du grand capital sur la science et la médecine. Vous revenez, vous faites un grand retour sur, évidemment, l'analyse euh, du scandale H1N1. Et puis, ensuite, euh, ce qui s'est passé, vous le disiez, tout à l'heure un petit peu, hein, que toutes les, les mêmes mesures arrivaient au même temps, les mêmes décrets, euh, rivalité, etc. Euh, et derrière, vous considérez qu'il y a uh, une pièce essentielle de ce puzzle dont il faut qu'on parle également ici, ce sont les cabinets de conseil. Oui, tout à fait. C'est un point commun déjà. Bon, un, un des reproches qu'on fait souvent à ceux qui critiquent ce qui s'est passé, c'est de dire non, mais vous vous rendez compte, c'est pas possible que tout le monde soit trompé en même temps. Oui. Bon, ben, si, si tout le monde est conseillé en même temps par les mêmes personnes, c'est absolument une certaine Et qui en similitude. plus font à peu près à... exactement la même copie, euh... oui. <laughs> mmh. parce que ça a été dit. Je crois que c'était l'Australie et la France. Euh... Voilà, bon, pour ma le sait, euh, forcément, tout le monde fait la même chose en même temps. Enfin, oui. euh, L'Occident. Oui, oui, bah oui euh, comme je le disais, on a une pénurie mondiale de tranquillisants certains types. Hein. Au, au, au même moment, voilà, se pose la question, qui a dit d'utiliser ça ouais. euh, Voilà, donc il y a un certain nombre de stratégies qui sont identiques. Ce n'est pas tout à fait vrai. On trouve des traces de pays qui ne font pas tout à fait la même stratégie. Je parle de l'Allemagne à un moment qui ne décide de pas confiner du coup, pas de mort, ouais. <laughs> sur la même période que nous, alors que c'est quand même nos voisins, qui sont entourés de pays qui confinent et qu'on est mort. Euh, voilà, donc en effet, il y a quand même une. Je ne sais pas si c'est une, une, une prise de pouvoir, mais en effet, il y a une, un sur-recours au cabinet de conseil pour absolument tous les sujets, ce qui est quand même un désastre politique euh, de voir ça, puisqu'on a quand même des gens qui sont censés être élus démo démocratiquement euh, de façon à prendre des décisions, réfléchir aux, aux différentes lois au, au sein du Parlement et ensuite euh, donner des nouvelles lois. Et c'est pas du tout ce qui se passe. On a des cabinets de conseil qui viennent de l'extérieur, qui sont missionnés et payés par le gouvernement, qui proposent des lois qui sont directement proposées par l'exécutif et ensuite le Parlement lève la main. Euh, donc voilà, on a quand même un sacré problème sur tous les pans. Euh, y a, donc je fais paraphrase beaucoup, un rapport qui est écrit, un rapport du Sénat sur le sujet, qui raconte exactement ce que, ce que, ce que je dis là, qui le détaille sur beaucoup d'aspects. Et donc la santé en est un des aspects. On a une vraie prise de pouvoir aussi. Bah, les cabinets de conseil, du coup, sont, sont payés également par l'industrie pharmaceutique hein, pour euh, déverser leur. Euh, voilà, leur bon conseil auprès des États. Donc voilà, on vit une prise de pouvoir sur la, la, la totalité des, des points de la vie publique. Et, et oui, ça c'est très intéressant, vous l'avez dit d'ailleurs. Au Québec, il y a eu la même histoire avec McKinsey. D'ailleurs, il y a eu un gros scandale. Quand, mmh. en, en France, on n'en a pas du tout parlé, mais euh, il y a eu un gros scandale notamment sur McKinsey EO euh, avec on le gouvernement pareil. Legault euh, sur la ligne de droite, mais dans les médias français, bien sûr, vous savez très bien comment c'est. Il y a aussi un point, ça, ça rejoint, vous parlez aussi d'une OPA des labos, ou du moins l'industrie euh, euh, pharmaceutique, sur notre système de santé, parce qu'on est là-dedans, parce que tout ça s'articule, la réalité, c'est ça, ce qu'on a McKinsey qui avait quand même des adresses e-mail au nom du ministère de la Santé qui envoyait des oui. e-mails. Enfin, ça, c'était dingue. Et puis, on a, vous, vous parlez aussi de cette OPA, j'ai trouvé ça intéressant. intéressant. Oui, ben, on le sait, mais euh, vous pouvez nous en dire plus sur cette OPA dont vous parlez, finalement oui, oui, euh, bah, le, mais c'est le lien entre, toutes les, entre toutes les, le, le, enfin, le, le Big Pharma, les mmh. décideurs, notamment l'OMS, euh, et puis euh, la, la mise en place de la T2A, de la tarification mmh. là, qui permet de piloter l'hôpital en sur-remboursant certaines choses de façon à décider d'actes médicaux. Et finalement, euh, bah, le, le système de, de santé depuis la tarification LAC étant piloté par l'argent, si on décide de comment, euh, où vont aller les bons remboursements, on va décider de la politique de santé en général et on va pousser à, aller, euh, voilà, à faire avancer le système de santé vers ce qui rapporte le plus de fric à Big Pharma, tout simplement. Et qu'est-ce que vous appelez la corruption systémique <laughs> C'est le fait que tout le monde ait participé. Il y a une corruption qui est évidente, qui est la corruption par l'argent, donc ça c'est assez facile. Bon, il y a eu, on a parlé voilà, des surremboursements qui ont été faits, notamment dans le cadre de Covid-19, que ce soit à l'hôpital ou bien auprès des médecins de ville, euh, mais il y a aussi le fait que tout le monde a participé à cette grande histoire. Les citoyens qui ont eu des vacances gratuites euh, pendant un moment en se faisant confiner, bon, ce qui fait que tout le monde, monde s'est tué. Bah, D'ailleurs, moi à l'époque... Euh, <laughs> Je n'en disais pas grand-chose, parce que de toute façon, je n'ai pas trouvé ça très désagréable sur le moment. Je fais partie des rares privilégiés, certainement, qui ont un jardin. Mmh. Euh, y a, donc ça, c'est de la corruption systémique d'une du, autre manière. Il euh, y a la corruption sur le fait euh, aussi bah, de recevoir euh, des, des places, évidemment, et des postes. Ça, ce n'est pas nouveau. Euh, et puis, il y a une autre corruption qui est plus insidieuse, qui a été le fait de... On en a parlé un peu au début, de mentir aux gens pour faire le bien, c'est-à-dire... Euh, voilà, on est dans une histoire de, de grande pandémie. Le bien, euh, entre guillemets. Oui. Mais les gens sont convaincus, c'est-à-dire, ouais. notamment, j'en parlais des différentes institutions, euh, qu'il fallait rentrer dans un, ouais. un article. Je crois que c'est la directrice de France Télé qui l'explique. Oui, euh, oui. voilà, que, que voilà Il fallait choisir son discours parce que, quand même, il y avait une grande pandémie. Il fallait dire qu'il y avait une grande pandémie mm. et il fallait protéger les gens. Donc, il fallait choisir et voir mentir. Je, je euh, crois que c'est la directrice de BFM, BFM non C'est Cécile Pigalle sur BFM ça. au colloque Média et Santé en 2021. Voilà, donc je pense que ça, c'est aussi un autre système de corruption. C'est une espèce de corruption par la bien-pensance qui est j'ai le droit de mentir aux gens si c'est pour leur bien. Oui, mm. ça c'est quand même intéressant également en termes de, mm. de démocratie, etc. Et je voudrais qu'on aille encore sur un élément important de votre analyse finale, finalement, c'est ce que vous appelez la stratégie du choc. Oui, j'ai choisi de le mettre à la fin parce que c'est presque le premier commentaire que j'ai fait sur cette, euh, sur cette pandémie euh, au moment où il y a eu le, le premier confinement. Euh, en effet, le tracé du choc, c'est le livre de Naomi Klein, euh, qui explique que dans le cadre d'un choc, qu'il soit d'ordre économique, démographique ou même d'un choc quand il y a un cataclysme, euh, c'est le moment où arrivent euh, bah, souvent la, la, la haute finance et puis, euh, ses, et, et, et puis ses alliés de façon à réussir à prendre le contrôle. Elle profite de et, la sidération. Profiter de la sidération pour prendre le contrôle. Et c'est un... un d'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé avec la sidération du confinement, là où tout le monde a été surpris, il s'est dit oui, il se passe vraiment quelque chose de grave. Et c'est le moment où on délaisse sa liberté, on délaisse son pouvoir, mm. euh, bah, son pouvoir de choisir, son pouvoir de dire non mm. euh, à une autorité, celle qui décide à ce moment. Et C'est évidemment le moment le plus dangereux puisque celle-ci peut en profiter pour mettre en place des mesures euh, qui les sur lesquelles on ne peut pas forcément revenir en arrière après. Oui, oui, c'est le cas d'énormément de, de, de lois qui ont été mises bah, aux États-Unis, patriot act suite euh, aux, aux attentats. Tout ça, ce sont des lois qui finalement derrière perdurent et qui grignent sur la liberté sur laquelle on retrouve jamais ensuite euh, ce qu'on a perdu. C'est ça aussi qui est, qui est très troublant et je pense que tous les éditeurs euh, qui nous écoutent euh, se sont dit la même chose, surtout euh, quand on avait la litanie de Salomon tous les soirs euh, avec le nom de mort, etc. En fait, on a été baigné de chiffres. Euh, des de chiffres qu'on ne pouvait pas interpréter parce qu'on n'avait pas les, les références justement ni euh, vos réflexes pour les comprendre et euh, finalement on, on a ces chiffres qui tombent qui tombent qui tombent et on a une impression d'invasion oui on a l'impression qu'il y a quelque chose d'important qui se passe euh, et, et en fait euh, évidemment tout ça est une stratégie également. C'est la stratégie de la sédération par le chiffre, on dira. Et, et souvent, j'ai été très étonnée quand on vous a réussi ici euh, pour, pendant toutes ces années de, 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 de Covid-19, et, et ainsi que Laurent Tobiana, de voir que finalement, quand vous, vous repreniez les chiffres, c'était d'une simplicité. Alors qu nous, que d'un autre côté, on avait tellement d'informations qu'on avait du mal à l'analyser. Puis d'un seul coup, en fait, on a euh, trois éléments. Alors certainement que le calcul a été plus compliqué que ça, mais en tout cas, pour nous, on arrive à un truc. Tellement clair que voilà, on, se, on, on tombe de sa chaise, et on dit, mais en fait, c'est une évidence que euh, finalement tout le reste est balayé. Oui mais c'est la, la force de la, de la répétition religieuse, tous les jours on va répéter la même chose de façon à le faire rentrer dans les têtes de force mm. ça a été la force de la puissance médiatique hein, on a parlé, voilà, tout le monde au diapason, tout le monde répète exactement la même chose sur toutes les chaînes mm. euh, en demandant son aval au ministre de la santé euh, avant, et voilà, et donc de façon à faire rentrer dans les têtes un discours qui est un embrouillagami et qui n'a absolument aucun sens euh, depuis le début, mais à force que tout le monde répète la même chose, on finit par s'en convaincre alors qu'en effet, quand on regarde finalement les, les, les chiffres, on comprend un peu de hauteur et qu'on essaie de les analyser calmement, on découvre que la réalité est plus simple que ça, euh, que tout ce qui a été raconté, finalement, euh, peut s'effondrer euh, assez simplement. Hein, une espèce de euh, elle s'effondre avec votre livre, en tout cas, <laughs> je peux vous dire. Euh, et donc, voilà, et, et puis, bon, c'est toujours pareil, c'est le principe du rasoir d'Ockham aussi, quand on a finalement une explication qui est finalement beaucoup plus simple, cohérente, euh, et qui, euh, voilà, et qui, qui permet d'expliquer la totalité de ce qui s'est passé, c'est probablement qu'on s'approche un peu plus de la vérité. Mmh, oui, c'est vrai. Nicolas Vidal Dernière question, finalement, ouais. euh, ce livre-là, Pierre Chaillot, il valide la gouvernance de la peur <laughs> en fait non, me semble-t-il, puisque vous démontez à un tout ce qu'on a vécu pendant le Covid. De oui. dingue. Oui, oui, c'est ça. Mais voilà, C'est la puissance de la sidération qui permet de prendre le contrôle sur les gens et mm. sur la totalité du sujet. Oui, on fait peur aux gens de leur façon à leur faire croire qu'on va les sauver. Mm. Ouais, vous avez reçu des invités avant sur un autre sujet, c'est bien mm. ce qui mm. se passe. Mm. On fait oui. croire aux gens qu'on a un problème d'effondrement quelconque sur n'importe quel sujet et qu'on est là pour les sauver. Mais mm. le politique, le pouvoir ne tient que comme ça, de toute mm. façon, de tout temps. Il faut que le, qu il faut que le, le peuple croit indispensable euh, de façon... Mm. Voilà, à ce qu'il mmh. puisse prendre les, les décisions et puis de façon à faire croire qu'on protège quelque chose. Est-ce que vous avez mmh. un peu d'espoir avec votre livre euh, Pierre Chaillot aujourd'hui que finalement ça puisse faire bouger les lignes que... Est-ce que, est que ça peut être euh, remis entre de bonnes mains, peut-être des sénateurs, des parlementaires, euh, pour que enfin euh, la vérité éclate Ou vous pensez que ça va faire comme les autres scandales 20 ans après, on en reparlera et puis on dira ah bah oui, finalement, peut-être que, mais bon. C'est impossible à dire. Vous savez, même parmi les personnes qui euh, ont défendu la thèse officielle, il y en a un certain nombre qui ne sont pas dupes, mmh. euh, quel que soit leur, leur bord d'ailleurs. Hein. Il y a, mmh. y a certaines personnes qui se sont élevées, mais il y avait une telle pression sociale sur le fait qu'il fallait sauter que beaucoup n'ont pas élevé la voix. Euh, voilà, on a parlé des, des syndicats qui ont été mmh. <laughs> complètement absents là pendant deux ans, voire même qui ont été de, euh, de, à, soutenir, à soutenir le gouvernement. Euh, mais euh, il y en a parmi eux qui n'étaient pas dupes à l'époque. La question c'est est-ce que maintenant que la situation est calme, vont-ils réussir à à sortir du bois et vont-ils réussir à faire le pas en avant de la compréhension pour faire le bilan de ce qui s'est passé de façon à ne pas se faire avoir une nouvelle fois ça je ne sais pas, c'est l'avenir qui nous le dira puis bon c'est finalement en continuant de pousser d'écrire des livres, euh, voilà de, de, de s'exprimer, de, de publier des articles de raconter ce qui se passe, que petit à petit aussi on réussit à faire un peu de lumière sur ce qui s'est passé bon, En tout cas merci infiniment Pierre Chaillot de continuer de décrypter avec votre chaîne Décoder l'écho et maintenant avec ce livre fondamental qui reprend tous les chiffres, les chiffres officiels il n'y a aucun mensonge, aucune entourloupe là hein. les chiffres officiels qui sont seulement analysés et peut-être mieux analysés que la façon dont ça a été fait jusqu'à maintenant, ce que les chiffres officiels COVID-19, mortalité, tests, vaccins, hôpitaux, la vérité émerge, hein, un livre fondamental aux éditions L'artilleur. Et je vais finir par lire euh, dans les remerciements, vous racontez que vous travaillez à côté de ceux qui ont su garder le sens des priorités, comme en témoigne une discussion à un dîner familial. Il fait quoi encore papa Il essaye de sauver le monde avec une division. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Merci Pierre Chaillot de sauver le monde avec des divisions. Ouais. Vous appréciez cette émission Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.